Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va découvrir des astuces voyage, comment organiser sa valise lorsque l'on part en voyage avec ses enfants. Donc j'ai quelques petites astuces, exactement 6 dans cette vidéo, à vous transmettre. Donc j'espère que ça va vous plaire et c'est parti! Première astuce, organisateur de valise. Donc il vient avec 6 pochettes qui vont vous permettre d'organiser votre valise de façon tout à fait optimale et avec un gain de place évident. Ne mettez pas vos vêtements n'importe comment à l'intérieur. Je vais faire une infidélité à Marie Kondo, mais là on va tester la technique de pliage des rangers. Donc là, si vous avez des vêtements qui sont repassés, ne vous inquiétez pas, ils ne vont pas se froisser. Il vous suffit d'associer bien sûr le t-shirt avec le short ou le pantalon. Ça marche aussi hein, pour les vêtements pour adultes, je le fais régulièrement. Et là, on roule et c'est prêt. Vous n'avez plus qu'à le positionner dans la pochette. Voilà ce que ça donne. Donc ici, nous avons 6 tenues. Donc voilà ce que ça donne une fois que tous les vêtements sont rangés, les sous-vêtements dans les petites pochettes. Donc l'astuce numéro 3, c'est de prendre des tote bags dans votre valise qui vont vous servir pour trier le linge sale. Donc ça ne prend pas beaucoup de place, on en a tous à la maison et c'est super. Astuce numéro 4, un élastique pour tenir vos sous-vêtements. Fini les sous-vêtements qui se perdent dans la valise. Grâce à l'élastique, ils sont bien maintenus tout au long de votre séjour. Astuce numéro 5, le pochon pour les fameuses chaussettes qui se perdent aussi dans la valise. Donc là, grâce au petit pochon, elles ne vont pas bouger et vous allez pouvoir les retrouver facilement. Astuce numéro 6, anticiper. Voilà, pour ma fille, je sais très bien qu'elle va se salir, nous partons à la montagne. Donc je prévois 14 tenues, 2 par jour, plus 2 extras. Donc voilà, shorts, robes, etc. Je prévois le double. Il vaut mieux en avoir trop que pas assez. Donc je prévois bien les petits gilets au cas où il aurait froid. Et voilà, tout est prêt à être rangé. Voilà le résultat final. J'espère que ça va vous inspirer et que vous allez pouvoir utiliser nos astuces au quotidien. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. À très vite!